I will introduce our Prime Minister. The cornerstone of Canada was set in place when the French explorer Samuel de Champlain, the father of New France, founded Quebec City with only 28 people in the early 17th century. Little did they know that the start of their fledgling settlement sowed the seeds that would grow to create our beloved country with an impenetrable bond and respect for the Republic of France. Standing the tests of time and modernization, Canada to this day remains historically and culturally connected to France. France and Canada have maintained a strong relationship amidst global issues of the past centuries and have remained active as key trade partners. La coopération entre la France et le Canada inspire à tous les Canadiens une grande confiance que les liens seront encore plus resserrés à l'avenir. Pour le Canada et les Canadiens, c'est un honneur d'être associé à une nation d'une telle importance mondiale. Today, like in France, Canada is home to the world. Canadian values are born in part from French values. Our national identity is genetically derived from the original principles of French and British societies. Canada's Charter of Rights and Freedoms contain and embrace the universal concepts of French values and have impacted human life in countless societies in the world. Much of the development of the Western world can be attributed to the remarkable influence of the French. France remains one of the world's largest economies and is home to many of the world's Fortune 500 companies like Thales. La France n'inspire pas seulement le Canada, mais le monde entier. Since its establishment in 1903, the Empire Club of Canada has provided a forum for the world's thought leaders. Speakers at the Empire Club have included Winston Churchill, Indira Gandhi, Ronald Reagan, and the Dalai Lama. In the past, the club has had the honor to host French dignitaries, such as the late Paul Claudel. It is truly a privilege to have His Excellency join the ranks of this club's esteemed speakers. Prime Minister Ayrault has been actively involved in French politics as a member of the Socialist Party's Executive Bureau since 1979. Up until his appointment as Prime Minister of France last May, he was the leader of the Socialist Party in the Assemblée Nationale. At the age of 27, he was elected the mayor of Saint-Herblain and was also the youngest mayor of a French city of more than 30,000 people. Up until last year, he was the mayor of Nantes for 22 years. Most of this information you can find on the internet, but people here probably don't know one thing, and it's that the Prime Minister of France has still a very deep affection to his wife, but also to Volkswagen combi vans, which he used to drive in his early 20s. Vos Excellences Zeller et Canon, Monsieur le Ministre Oliver, Monsieur le Ministre et membres du Parlement de la République française, Mesdames et Messieurs, j'ai un immense honneur et privilège de vous présenter un véritable ami du Canada, le Premier ministre de la République française, the Prime Minister of France. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Empire Club of Canada. Mesdames, Messieurs les ministres, ministres canadiens et de l'Ontario, et aussi mes collègues du gouvernement français qui m'accompagnent, Mesdames et Messieurs les parlementaires, canadiens et de l'Ontario, mais aussi ceux qui m'accompagnent de la délégation française, et Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord commencer par vous exprimer ma gratitude, Monsieur Schumach, parce que vous me donnez aussi
l'occasion de m'exprimer devant la communauté d'affaires de Toronto, mais dans un cadre prestigieux. Et vous en avez rappelé l'histoire en quelques instants, des personnalités que vous y avez invitées, de grandes personnalités qui, donc, vous citiez Winston Churchill, qui a lui loué un rôle tellement important dans l'histoire. Eh bien, je me sens honoré d'être invité aujourd'hui par l'une des plus anciennes institutions et plus prestigieuses institutions de la ville de Toronto, dont le rayonnement va bien sûr bien au-delà. J'ai appris, en venant ici, que le nom de Toronto signifiait le lieu de la rencontre, dans la langue des Hurons. Et je veux y voir évidemment un présage heureux pour notre première rencontre. Les liens qui unissent la France et l'Ontario sont anciens. Ils sont également très solides. Et je souhaite, pour ma part, aujourd'hui contribuer au renouveau, au renforcement de cette relation. Je me réjouis que l'Ontario ait choisi le 400e anniversaire de l'arrivée de Samuel de Champlain en 2015 pour célébrer sa communauté franco-ontarienne, et la France sera heureuse de s'associer à cet événement. Vous disiez, Monsieur le Président, il y a quelques instants, que Samuel de Champlain était venu avec 28 personnes. Ils ne savaient pas forcément exactement où ils allaient. Je ne suis pas sûr. Ils avaient un but. Ils croyaient à leur aventure. Ils voulaient arriver à la découverte d'un autre monde. Ils cherchaient peut-être la voie de la Chine. Ils sont arrivés ici. Et ils ont créé un pays. Mais ils n'avaient pas peur. Ils avaient confiance. Ils avaient de l'audace. Ils avaient de l'énergie. Eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, parfois préoccupant, parfois instable, parfois dangereux, il faut aller chercher partout l'énergie et la confiance, et surtout avoir le courage et l'audace, justement, pour aller plus loin et donner des perspectives à tous ceux qui, dans le monde, parfois s'inquiètent, que nous avons un avenir et qu'ensemble, nous pouvons le construire. Je profite de cette occasion pour saluer les nombreux francophones qui sont présents dans la salle et en même temps la vitalité de la langue française en Ontario, dont témoigne le succès de l'Alliance française de Toronto, qui est la deuxième d'Amérique du Nord. Et puis j'ai une pensée particulière pour mes 10 000 compatriotes présents en Ontario. Donc ils participent à cette très grande communauté française, environ 200 000 personnes, et qui témoignent ici par la diversité de leurs talents, de la qualité des formations et des savoir-faire français. Je les remercie et je les salue tout particulièrement. Et puis, je voudrais exprimer mon émotion toute particulière après avoir entendu le témoignage éloquent de M. Christian Petitfrère, qui vient d'Haïti, qui vous avait accueilli ici au York Clendon College. J'y vois un beau symbole, lui qui représente un pays qui souffre, qui a subi tant de fois des catastrophes. Eh bien, la France et le Canada, avec bien sûr d'autres pays, mais tout particulièrement nos deux pays, ont voulu accompagner l'effort qui est actuellement entrepris pour permettre à votre pays de trouver un avenir, lui aussi, qu'il mérite, bien sûr, depuis si longtemps. Et donc, en exprimant notre solidarité, je crois que ce n'est que justice. Eh bien, je voulais vous, à travers vous, vous exprimer, je dirais, toute mon amitié, et l'amitié de la France, mais je sais que c'est aussi l'amitié des Canadiens, mais aussi de tous les francophones, pour ce pays qui se bat pour son avenir avec la dignité et le courage qu'on lui connaît. Vous avez accueilli Christian Petitfrère, il nous a adressé un message, je suis sûr qu'on ne repartira pas indifférent après ce qu'il nous a dit, parce que c'est un message d'espoir et de dignité. Vous avez un déjeuner très bref, parce que c'est votre habitude, votre rituel. Bon, c'est un déjeuner de travail, hein.
Mais je vais donc être bref aussi, comme le déjeuner. Mais je voudrais aller à l'essentiel, avec deux messages simples. Afin de répondre à des interrogations qui me sont transmises souvent et qui pourraient inquiéter votre communauté d'affaires, le premier message que je voudrais vous adresser, c'est que depuis l'élection du président de la République, François Hollande, le 6 mai dernier, la France est engagée dans une vaste entreprise de redressement qui demande du temps, des efforts pour qu'on en perçoive les résultats. Mais cette entreprise de redressement est nécessaire et nous voulons la réussir. C'est un vaste chantier de réformes que nous avons engagé qui permettra à la France de retrouver le chemin de la croissance dans le cadre d'un pacte refondé entre les chefs d'entreprise, les salariés et les pouvoirs publics. C'est ce pacte que nous voulons faire vivre et réussir. Le second message, c'est que cet agenda de réforme ambitieux permettra de donner aussi une nouvelle impulsion aux relations économiques entre le Canada et la France, qui sont déjà excellentes, mais qui doivent se renforcer. Mais permettez-moi avant toute chose de saluer nos propres succès. En 2012, la France a été la première destination européenne, et on ne le sait pas assez, pour les investissements étrangers dans l'industrie, la première en Europe. Ce résultat, notre pays l'a obtenu grâce à sa tradition d'excellence en matière d'innovation, en matière de recherche, de formation, mais aussi à la qualité de notre main-d'œuvre, de nos salariés, et puis grâce aussi à la qualité de nos infrastructures. Eh bien, ce sont des atouts que nous voulons aujourd'hui conforter. Et le premier de ces atouts, c'est notre appartenance à l'Union européenne. L'Union européenne, mesdames et messieurs, vous le savez, c'est un vaste marché de 500 millions d'habitants pour nos entreprises. C'est un vaste espace de mobilité pour nos travailleurs. Et puis, c'est notre appartenance à la zone euro. Alors, je sais que pour faire face à la crise de la dette qui frappe durement certains de nos partenaires en Europe, nous avons décidé de conforter les mécanismes de solidarité et d'intégration au sein de la zone euro. Nous avons engagé ce processus que le président de la République française appelle l'intégration solidaire. Mais je sais que les efforts des Européens pour sauver l'euro, je pense notamment aux risques majeurs qui concernaient la Grèce ou l'Irlande, et ces problèmes, même s'ils sont exigeants pour les pays concernés et parfois douloureux pour leur population, sont traités efficacement. Mais vous avez pu, de l'extérieur, penser parfois que nous étions trop lents, que nous étions trop hésitants pour décider. C'est vrai, c'est difficile de décider à 27, et en tout cas à 17 pour la zone euro. Mais le cap est désormais fixé et les résultats sont là, avec un nouveau traité sur la gouvernance, une banque centrale européenne dotée de nouveaux outils, une supervision bancaire intégrée qui sera mise en place très rapidement et qui constitue la première étape vers une véritable union bancaire. C'est donc une étape très importante qui est franchie, même s'il y a encore des fragilités, mais nous allons les traiter. Et après, il faudra aller plus loin, sûrement, dans l'intégration. J'aurai l'occasion de l'expliquer davantage. Mais en tout cas, sachez que l'Europe est consciente de ses atouts, et conscience de sa force dans un monde qui se bouleverse, où de nouvelles puissances émergent et se construisent à travers le monde, où d'ailleurs de nouvelles alliances s'organisent en Amérique du Sud, en Amérique latine comme en Asie. Et ça ne serait donc pas le moment où le monde se déplace, où l'Europe tournerait le dos à ce qu'elle a construit pas à pas après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, c'est le moment justement d'avancer davantage et de consolider ce que nous avons construit, qui est justement cette force attractive qu'est l'Union européenne. Il faut d'abord que les Européens en soient les premiers conscients. Eh bien, la France, le gouvernement de la France, non seulement en est conscient, mais veut agir davantage dans cette direction. Et je crois que ça concerne à la fois les Européens, ce que je suis en train de vous dire, mais ça concerne le reste du monde. Et si j'aborde cette question, c'est parce que je sais que parfois vous vous interrogez, et qu'il nous appartient de répondre, pas seulement les Français, mais tous les Européens. Et donc je le fais aujourd'hui avec force et avec détermination.
Vous savez bien qu'un des défis auxquels est confronté l'ensemble de l'Europe est celui de la maîtrise de ses déficits publics ou privés dans certains pays. En tout cas, ce n'est pas le cas de la France. La France est confrontée, c'est vrai, à des déficits publics que nous voulons à tout prix traiter. Et c'est pourquoi le gouvernement met en œuvre une stratégie de redressement rapide de ses finances publiques. Alors que le déficit public de la France était supérieur à 5% en 2011, nous l'avons ramené à 4,5% en 2012, donc dès après le changement de président de la République et l'installation du nouveau gouvernement. Et entre 2012 et 2013, nous réduirons ainsi le déficit structurel, c'est ça qui est le plus significatif, de 2%. Et ce qui signifie pour la France un effort sans précédent. Et notre objectif, c'est d'arriver à la fin du mandat du président de la République à l'équilibre, à zéro déficit en 2017. Et pour y parvenir, j'ai engagé avec l'ensemble du gouvernement un vaste chantier de modernisation de l'action publique. Et l'objectif que j'ai fixé, c'est d'économiser 60 milliards d'euros à l'horizon 2017. C'est un effort, mais nous y parviendrons si nous le faisons, j'allais dire, avec méthode. Mais je sais que le Canada a une longue expérience en la matière, a été confronté il y a quelques années à une dette encore plus importante. Et vous avez trouvé la solution. Et vous vous êtes redressé, vous êtes reparti de l'avant, retrouvant la croissance, sans pour autant défaire ce que vous êtes, votre originalité politique, votre État fédéral et ses systèmes culturels et sociaux. Et donc c'est une étape dans votre histoire qui a été marquée par de vraies réussites. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion hier soir avec le chef du gouvernement, le Premier ministre Stephen Harper, d'évoquer cette période passée et expliquer ce que la France était en train de réaliser. Cette politique de redressement de nos finances publiques s'inscrit dans une stratégie cohérente et ambitieuse qui vise à retrouver des marges de manœuvre. Ce n'est pas la réduction de la dette et des déficits simplement comme objectif, c'est pour redonner à la France une pleine souveraineté, une pleine capacité d'agir et de décider par elle-même. Et donc ces nouvelles marges de manœuvre pour les mettre au service d'une croissance retrouvée et de la compétitivité de l'économie française et de l'attractivité de notre territoire. C'est le sens du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi que j'ai annoncé le 6 novembre et qui est en train de se mettre en œuvre. Il comprend 35 mesures concrètes pour améliorer la performance de notre économie. Avec ce pacte, c'est l'une des mesures, nous réduisons l'impôt sur les sociétés à hauteur de 20 milliards d'euros par an. Nous mettons ainsi en œuvre une baisse de 6% du coût du travail pour les entreprises installées en France, et cela dès cette année, dès 4% cette année et 2% supplémentaires l'année prochaine, ce qui fera 6%. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Il faut renforcer la compétitivité hors coût, comme on dit, en mettant en place un système, par exemple, de financement efficace, en faisant émerger un écosystème favorable à l'innovation, à l'exportation. Et s'agissant des exportations françaises, j'ai fixé un objectif que je reconnais très ambitieux, parvenir à l'équilibre de notre balance commerciale hors énergie en 2017, toujours à la fin du mandat, alors que je suis arrivé aux responsabilités avec un déficit hors énergie de plus de 25 milliards d'euros. Pour cela, nous devons de réformer en profondeur notre système de financement des exportations. C'est en prenant appui sur ce nouveau système que, par exemple, les chantiers navals français de Saint-Nazaire viennent d'engager la construction du plus grand navire de croisière au monde qui n'ait jamais été construit, avec une capacité d'accueil de 7500 personnes pour le compte d'un commanditaire américain. C'est à la fois donc pour la qualité professionnelle, la qualité technologique, la qualité du produit, mais aussi pour les conditions de financement que nous avons pu réunir, que ce succès a été obtenu. Mais, mesdames et messieurs, le plus gros potentiel de développement de nos exportations repose sur les entreprises de taille intermédiaire et sur les petites et moyennes entreprises, auxquelles le gouvernement entend apporter un soutien important. Elles pourront accéder plus facilement à des financements adaptés grâce
à la nouvelle banque publique d'investissement que nous venons de créer. Elles bénéficieront également du soutien des grands groupes dans le cadre de l'organisation des filières industrielles qui doivent tenir compte alors non seulement de leurs sous-traitants, mais de les organiser, de les soutenir, de les conforter dans leur stratégie de développement, tant à l'interne qu'à l'externe, et qui inciteront ainsi tous à se solidariser davantage et aussi, dans la conquête des marchés extérieurs, à avancer de façon solidaire et groupée. À cet égard, je voudrais saluer l'ensemble de la délégation des entreprises françaises qui m'accompagne ici au Canada pendant ce déplacement. Cette délégation est à l'image de notre ambition et de nos entreprises. Les grands groupes français, vous les connaissez. Vous en connaissez l'excellence. Ils sont bien représentés avec Thales, qui soutient cette manifestation, mais aussi avec Total, avec Alstom, avec Air Liquide, avec Safran, avec Sanofi, ou encore dans le domaine militaire avec Nexter et DCNS. Mais cette délégation comprend une majorité de dirigeants de petites et moyennes entreprises qui sont impliqués dans des secteurs souvent très innovants, tels que les énergies renouvelables, les technologies vertes, les technologies de l'avenir, mais aussi les technologies de l'information. Notamment dans les logiciels, où nos entreprises sont très, très avancées et très performantes. Oui, nous avons l'ambition de renforcer l'attractivité du territoire français. Je l'ai dit tout à l'heure. Avec 20 000 entreprises étrangères installées sur notre sol, 700 décisions nouvelles d'investissement étrangers par an, la France est d'ores et déjà une destination de premier ordre. Mais nous voulons aller plus loin encore. Nous avons donc fixé un objectif annuel de 1 000 décisions d'investissement étrangers sur le territoire français d'ici 2017, ainsi que l'accueil chaque année de 300 nouvelles entreprises étrangères. Les entreprises étrangères installées en France bénéficieront, comme les autres, des mesures que nous avons prises et que j'ai évoquées en faveur de la compétitivité. Nous mettons ainsi en place des dispositifs spécifiques, comme le passeport talent, qui permettra de faciliter les démarches d'installation en France de talents étrangers. Je pense également au renforcement du crédit impôt recherche, en particulier en direction des petites et moyennes entreprises. Ce crédit impôt recherche, qui est une particularité française, a contribué à la création par des entreprises étrangères au cours des 5 dernières années de plus de 200 centres de recherche et de développement sur les territoires français. Enfin, je veux évoquer également devant vous l'accord très ambitieux de l'emploi que les partenaires sociaux, patronat et syndicats de salariés ont conclu en France au mois de janvier sur le marché du travail. Cette négociation a été lancée à l'initiative du gouvernement qui a pour objectif de renforcer la démocratie sociale, le dialogue social dans notre pays comme méthode pour trouver le bon chemin des réformes. Eh bien, cet accord, qui a été signé par une majorité de syndicats, vise à sécuriser les parcours professionnels des salariés tout en renforçant la compétitivité de nos entreprises. Dans les prochaines semaines, le Parlement va transcrire cet accord dans la loi, contribuant ainsi à accroître l'attractivité de notre territoire et la compétitivité de notre économie. Redressement des comptes publics, compétitivité, attractivité, dialogue social. Vous le voyez, en quelques mots, la France est un pays en mouvement qui se réforme en profondeur et qui s'est fixé cette ambition. Et je souhaite que les relations économiques entre la France et le Canada puissent aussi bénéficier de cette dynamique. Je me réjouis que les échanges commerciaux entre nos deux pays continuent de progresser dans le contexte politique, dans le contexte économique que nous connaissons. Mais je note que l'Ontario, où nous sommes aujourd'hui, représente un tiers des exportations françaises vers le Canada. Je me félicite que ces échanges, qui sont dans l'ensemble équilibrés, soient fondés pour une grande part sur des produits à forte valeur ajoutée. Je pense par exemple au secteur de la pharmacie ou de l'aérospatiale, à l'aéronautique, je pense, et bien sûr aussi à des secteurs plus spécialisés qui caractérisent nos échanges commerciaux, mais qui témoignent d'un véritable partenariat entre nos économies. Mais ces relations commerciales peuvent et doivent se développer. C'est pourquoi le gouvernement soutient pleinement, et j'ai eu l'occasion de le réaffirmer encore ce matin
avec le Premier ministre Harper, les négociations commerciales en cours entre le Canada et l'Union européenne. Nous souhaitons un accord économique approfondi. Nous souhaitons que ces négociations puissent se conclure rapidement. Bien entendu, les relations économiques entre nos deux pays ne se résument pas à nos échanges commerciaux bilatéraux. Elles sont en grande partie fondées sur des investissements croisés. Vous le savez, les entreprises françaises sont déjà très représentées au Canada. Près de 550 entreprises françaises y sont implantées et ces entreprises emploient plus de 80 000 personnes et au total, la France se place ici au septième rang des investisseurs étrangers. Là encore, nous pouvons faire mieux. Nous voulons faire mieux. C'est pourquoi je me réjouis de la diversification croissante de nos investissements, traditionnellement concentrés sur quelques grands secteurs d'excellence, l'aéronautique, les transports urbains, l'énergie, les ressources naturelles. Et aujourd'hui, nos investissements se développent également dans les services et dans l'environnement. Ils se diversifient également géographiquement au Canada. Et ils couvrent désormais l'ensemble du territoire canadien, mais je le dis vraiment, on peut faire beaucoup mieux. Mais la marge, justement, de progression des investissements canadiens en France est également importante. Mais la France n'occupe que le 19e rang des pays destinataires des investissements canadiens dans le monde. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à profiter de la nouvelle stratégie que je viens de vous présenter, qui est de nature à créer de la confiance, de la lisibilité, de la simplicité, de la durabilité, de vous engager pour mettre en œuvre vos stratégies d'investissement et accroître votre présence dans notre pays. En tout cas, vous y serez les bienvenus. Le renforcement de nos relations économiques est donc une priorité. C'est une perspective stimulante pour les jeunes de nos deux pays. Le gouvernement français s'est engagé à accroître très sensiblement le nombre de volontaires internationaux en entreprise. Ces jeunes qu'on appelle les VIE, qui au sortir de leur école rejoignent une entreprise française à l'étranger, ils sont aujourd'hui 200, faisant part de votre pays l'une des destinations les plus recherchées. Je crois que plusieurs d'entre eux sont là aujourd'hui et je les salue. Et j'aurai peut-être l'occasion tout à l'heure de les rencontrer. En tout cas, je les remercie pour leur engagement. Et je sais par expérience que ces jeunes qui découvrent en quelque sorte un pays, mais qui découvrent aussi un métier, ont été parfois à l'origine de succès économiques et commerciaux formidables. J'ai en tête quelques exemples, et donc leur présence n'est pas qu'un stage de formation. Elle est utile pour les entreprises où ils travaillent ici, elle est utile pour les entreprises françaises, et donc c'est pourquoi le gouvernement est tout à fait déterminé à poursuivre et à renforcer ces initiatives en faveur des volontaires internationaux en entreprise. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ma présence parmi vous s'inscrit dans une longue tradition d'amitié que j'ai voulu honorer en répondant à l'invitation du Premier ministre du Canada. Mais surtout, j'ai voulu vous parler de la France, d'un pays en mouvement, d'un pays qui a des atouts formidables, qui est un grand pays. Mais quand il sait aller à l'essentiel, c'est-à-dire à la fois être capable d'inventer, d'innover, de réformer, mais en restant fidèle à ce qu'il est, à ses valeurs et dont beaucoup sont celles que nous partageons, alors il devient un pays fort, confiant et fier de lui-même. Eh bien, c'est ce pays dont je suis venu vous parler, ce pays que je suis venu vous présenter et que je représente ici. Et j'ai l'honneur, en effet, de m'adresser à vous pour vous le dire encore une fois. Merci de m'avoir invité. Nous sommes déterminés à aller de l'avant. En citant tout à l'heure Samuel de Champlain, c'est ce que je voulais vous dire. Les circonstances étaient beaucoup plus difficiles pour lui que pour nous. Et pourtant, il a réussi. Alors pour nous, qui connaissons les choses, qui avons conscience de ce qu'il faut faire pour avancer, de ce qu'il faut faire pour réformer, de ce qu'il faut faire pour nous renforcer, eh bien, sur les traces de Samuel de Champlain, nous réussirons ensemble, j'en suis convaincu, à approfondir nos relations, non seulement entre l'Ontario et la France, mais entre le Canada et la France, pour une histoire commune, celle du progrès humain, celle de l'avenir de nos nations,
mais aussi l'avenir du monde. Merci, mesdames, messieurs, de m'avoir écouté. Merci. On behalf of the Government of Canada and all of Canadians, I welcome Minister Joe Oliver, the Honourable Joe Oliver, Minister of Natural Resources. Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame Hérault, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France, Mr. Chumar, President-elect of the Empire Club, distingués invités, ladies and gentlemen, au nom du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens, c'est un honneur pour moi de remercier le Premier ministre de la République française, Jean-Marc Ayrault, pour son discours aujourd'hui, ainsi que pour sa visite à Toronto qui souligne les liens profonds qui unissent le Canada et la France. Votre visite au Canada et votre rencontre avec le Premier ministre Stephen Harper reflète toute la force de la relation France-Canada ainsi que notre volonté partagée de promouvoir la prospérité et la croissance économique. Vous avez été joint dans votre visite par une impressionnante délégation de gens d'affaires et qui, j'espère, trouveront de nouveaux partenaires et de nouvelles opportunités ici au Canada. Dans votre discours, vous avez bien souligné les liens profonds qui unissent nos deux pays. En effet, nos deux peuples partagent plus qu'une culture démocratique et économique. Nous avons également des racines historiques qui remontent au début de la présence européenne en Amérique du Nord. Vous avez souligné deux messages, la vaste entreprise de redressement pour reprendre la croissance et la relation entre nos deux pays. Your remarks regarding the challenges of the European Union were encouraging in terms of its optimism, its strength, and its determination. And we admire and celebrate France's leadership in Europe and in the world. D'ailleurs, notre relation est d'autant plus renforcée par le fait que nous sommes des partenaires clés au niveau des grands enjeux qui touchent notre planète. Nous travaillons en étroite collaboration dans les pays tels que le Mali et Haïti, ainsi qu'au sein des organisations telles que le G8, le G20 et bien sûr la francophonie. On the economic front, promoting two-way innovation and investment is critical to creating new jobs in both our countries and to enhancing our competitiveness in the global economy. As you know, Canada remains committed to the conclusion of an ambitious, comprehensive economic and trade agreement with the European Union, which is in both parties' best interest. Nous travaillons également très fort afin d'accroître notre collaboration scientifique et technologique. À cet égard, il me fait plaisir de constater la signature par le Canada et la France ce matin à Ottawa de nouvelles déclarations communes sur l'innovation et l'entrepreneuriat qui servira à promouvoir la collaboration en matière de recherche et de commercialisation. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie une fois de plus. Nous avons partagé vos idées aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de séjour au Canada. Merci. Messieurs, dames, je m'appelle Gordon MacIver. C'est mon plaisir d'offrir le mot d'appréciation. D'abord, un grand merci au ministre Oliver. C'est toujours un plaisir d'accueillir un ministre de notre cabinet fédéral.
Monsieur le Premier ministre, vous l'avez bien noté dans votre discours, depuis le début de l'histoire de cette plus grande ville de notre pays, les Français n'ont jamais arrêté de venir à Toronto et de jouer un rôle primordial dans notre histoire. Même notre cathédrale catholique, qui est très à la une cette semaine avec les grandes nouvelles qui nous arrivent du Vatican hier, a été construite au début des années 1850 par le deuxième évêque de Toronto, le comte français Armand-François-Marie de Charbonnel. Bref, Monsieur le Premier ministre, il y a des centaines d'histoires comme ça dans notre histoire. Les Français sont là tout au long de l'histoire de cette métropole, même si cette réalité reste relativement inconnue par rapport à celle qui réunit la France avec notre province voisine, le Québec. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas accueilli beaucoup de premiers ministres français à Toronto dans notre histoire, mais aujourd'hui, il y a une très bonne compréhension que l'amitié, le commerce et l'histoire qui relie la France avec cette région du Canada est archi-importante, surtout dans un monde global où il faut prendre avantage des atouts déjà en place pour accroître les liens et les partenariats qui nous réunissent non pas depuis des années ou même depuis des décennies, mais depuis des siècles. Alors, Monsieur le Premier ministre, votre visite parmi nous aujourd'hui est importante sur plusieurs plans. Et vous pouvez constater, en regardant le nombre important de participants dans cet événement aujourd'hui, que les résidents de Toronto réalisent pleinement l'importance de votre séjour parmi nous. Nous sommes honorés que vous avez choisi d'inclure dans cette visite une présentation à notre club, un des plus anciens forums dans notre pays, avec elle aussi une riche histoire de plus de 110 ans. Alors, au nom de tous mes collègues au sein du conseil d'administration du Empire Club of Canada, un très grand merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite aujourd'hui et de nous expliquer quelques-uns des programmes de votre gouvernement. Cette visite s'encadre dans le sillage d'une très grande amitié, vous l'avez bien noté, entre nos deux pays, peut-être même la plus belle amitié dans l'histoire de ce qu'on appelle encore le Nouveau Monde. Que votre visite ici apporte beaucoup de fruits et qu'elle continue cette histoire productive qui a été entamée il y a presque 4 siècles par l'interprète de Samuel de Champlain, Étienne Brûlé. Monsieur le Premier ministre, bienvenue à Toronto et merci. Thank you, Dr. McIver. Just a few last things. As a token of our appreciation, Mr. Prime Minister, we will be handing you this book. It's a book that's called Who Said That? It's memorable quotes, notes and anecdotes from the 100 years of the Empire Club speeches. I'd like to thank the TALIS Group, the George and Helen Vary Foundation, the France-Canada Chamber of Commerce for their support and their sponsorship. I'd like to thank the Royal York Hotel, the National Post as our media sponsor, and Rogers TV for carrying this live on Rogers Television. We're grateful to both of you for your ongoing support. We are now on Twitter and Facebook, as well as our own website address, www.empireclub.org. Ladies and gentlemen, please rise for the departure of the head table. And you can just, Dr. McIver, if you wanted to escort everybody out. Nous vous remercions d'être venus. Nous espérons vous revoir bientôt. Les séances d'aujourd'hui étaient levées. I declare that this meeting of the Empire Club of Canada is now adjourned. Thank you.